l'histoire de deux frères en 1981 qui ont une radio pirate, un grand frère un peu beau gosse, qui parle bien, qui bouge bien, qui est super, et un petit frère qui est un peu dans l'ombre, un peu dans son coin, faire un peu des trucs de geek, de sondier, tripoter les bandes magnétiques, faire du mix comme ça. Ils sont amoureux de la même fille, ce trio amoureux sous fond de punk, de radio pirate et de service militaire. Quand ça se passait mal, il arrivait toujours à dire bon, bah, vous savez quoi, on va faire comme ça, et ce sera mieux. Et en l'occurrence, c'était mieux. Et il était vraiment super fort et il était vachement toujours enclin à s'adapter à ce que les éléments, ce que les gens lui proposaient. Sinon, c'est vraiment le film de Cardo qui sait sa réussite et il la mérite, quoi. Moi, à la base, je fais du son aussi. Enfin, je suis Perchman, quoi. Je suis pas comédien, je suis Perchman acteur. C'est différent. C'est vraiment une chance. Si je réussis pas à être acteur, ça me va très bien aussi et je continuerai à faire ma perche dans mon coin et je serai heureux comme ça. Donc, en ayant cette double casquette, je me protège de ça vachement fort et je pense que c'est essentiel pour continuer à vivre ce métier sainement, en fait.